Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un petit magasin où on va tester les tenues d'Eden. On va voir que il y en a beaucoup, enfin pas mal, assez, ouais, c'est assez raisonnable. Après, par contre, on va voir que ça varie pas beaucoup, hormis les couleurs, hein, vous voyez déjà les costumes défilés, il n'y a vraiment que les couleurs, donc Ubisoft nous a juste changé les quelques couleurs de par-dessus, foulard et casquette. Mais après, voilà, il y a pour tous les goûts, toutes les couleurs, vraiment. Voilà, le jaune. Personnellement, j'aime bien le jaune. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, urbain, soldat. Il y a tout vraiment, cuir léger, comme on peut le voir. Donc on n'a pas trop le choix, on peut pas se mettre en short avec des lunettes de soleil, acheter des lunettes de soleil comme dans GTA par exemple. On est loin de tout ça, puisque Eden est quand même quelqu'un qui passe inaperçu, puisqu'il n'est pas reconnu, il n'y a pas de reconnaissance faciale lors de... quand il passe devant les caméras. Donc voilà, on reste tout le temps dans le même... La même tenue, donc je pense que Lagerfeld et Gauthier ne seraient pas très contents de voir ceci. Mais la mode est au blouson en cuir, on peut dire. Trois quarts en cuir. Petit pull gris. Et casquette. Voilà, ça change pas, ça évolue pas, il y a vraiment quelques couleurs. En même temps, c'est un peu normal. Comme je vous le dis, hein, il est là quand même pour passer inaperçu. Et pour pouvoir se camoufler. Donc on se retrouve vraiment avec les mêmes tenues vestimentaires. Voilà, c'était cette courte vidéo pour vous présenter un peu tout ça. Puisque je ne l'avais pas fait. Donc ça, bah, c'est dans les commerces magasins que vous allez le trouver. Et puis bah, on se retrouve nous pour un gameplay. Très prochainement, et puis bah, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous savez quoi faire, mettez un petit like, si vous avez aimé, un dislike au cas où. Je vous dis à bientôt.